Oh non. Salut à tous, on est à la jam d'Olive Cuvet et là j'enfile mes protecs et on va aller rejoindre tout le monde. Il y a une grosse nouvelle ligne avec une énorme bosse à copeaux. Il y a tout le monde qui est chaud, une bonne petite bande. Il fait chaud mais on est à l'ombre donc on est bien pour rouler toute la journée. Et j'ai hâte d'enfiler tout ça pour aller se mettre de la session avec les poteaux. Et tout le monde commence à rouler les petites lignes. J'ai enfilé la tenue orange et on va aller shredder. Ça a l'air très très cool donc let's go. Bon du coup hier j'ai quasiment replaqué truck to bar, donc 3-6 bar spin, to bar spin, 3-6 double bar spin. Et du coup j'aimerais essayer de le valider ici. Ce sera la première fois que je le ferai sur une méga bosse en dur. Donc on se chauffe. Je vais essayer de faire un double bar spin là pour commencer. Et là j'étais bien en truck, donc si je passe bien mon double bar spin, j'enchaîne avec le truck tout bar. Allez go. Oh yes. J'ai plaqué mon truck tout bar, j'ai sorti le plus gros vélo maintenant. C'est comme un bike de slopestyle et de freeride, enfin c'est tout. Je crois que c'est vraiment un vélo trop cool, j'ai eu l'idée de le ramener au dernier moment. À la base je voulais prendre que mon DH et mon rigide, c'est vrai que j'avais envie de le prendre. Et du coup là on va sessionner un peu celui-là. Et voilà quoi, ça démarre tranquillement, trop bien quoi. Trop content la session avec tous les copains. Moi je dis que ça sent le 3-6 drop là. Ok. Oh non! Oh! Ah. Ça va gros ou quoi? T'as des pecs hein? Tu retournes ou quoi? Bah, bien sûr! Allez, ça part! Yeah! Hey! Freeride! Ok, donc là, on est dans l'après-midi. Il y a la grosse ligne qui commence à rouler. Ça a l'air assez technique d'avoir le speed. Je me demande si je mettrais pas les suspates. Les suspensions un peu plus dures. En vrai, elles sont quand même déjà bien dures. Donc j'ai bien gonflé mes pneus pour aller le plus vite possible. Je vais déjà rouler un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis Inch'Allah, la grosse ligne passe bien parce que ça a l'air bien cool. Et voilà, ça déroule quoi. Bordel. Yeah. Oh. Comme ça, ouais. Déjeuner, ah grave. Allez, j'ai plein d'idées qui me traversent la tête, mais déjà un beau petit flat topo sur la 2. Ça devrait être très chouette. Ça part en haut. Ok. Ok. Attends, là il va y avoir un backflip drop là. Il a repédalé hein. Yes. Putain, l'enfoiré. Il a repédalé hein. Il a repédalé. Un bon pompage, je veux mieux. C'est un mauvais pédalage. Ah, mais vous êtes magnifiques les amis là. Les coachs. Les coachs de l'ombre de l'arbre quoi. Non, ça fixe. Dans la tête.
Oh non. Oh non, il le fait. Ah bah c'est pas grave, t'es en gros vélo. Allez Dani. Il va se buter, qui sort de vous. Je sais qu'il va avoir... Il va avoir de la connerie. Voir comment tu apprends ta longueur. Excellent. Allez. Putain, mais là, c'est bini, putain, là. Putain, c'est putain. C'est du bunny whip, quoi. C'est du... Eh, ça arrive fort là, non? Tu arrives fort? Tu arrives vite? Tu peux avoir plus de airtime si tu se poses en bas. Allez, Darren. Tire avant la fin du drop, comme ça t'as le temps de... Fais un petit nose avant, ça peut être marrant. Il est en corsaire, il a pas roulé avec du... Si, il a roulé à fond avec. Ah bon? Oui, il a tout le temps de la... Ouais, il a bien roulé. C'est la grosse ligne qui... T'attends. 3-6 ou 8? 3-6, 8. 3-6, 8. Allez, dans le doute. Fais les deux dans le doute. Oh là là. J'ai cru voir un casque arriver là, attends. Allez! Allez! Oh! Oh! T'avais dit de faire un tel whip, putain! Ouais! Fais un whip! Ouais! Magnifique! Et ça repart. Allez, c'est parti, allez. 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 Ah, bordel. Là, il a mis un move. Yes. Dommage. Elle manuel, c'est cadeau. Là, c'est plus à plat, c'était mieux là. Ça peut être mieux sur les sauts longs. Bon voilà, du coup, c'était trop de la bombe. Merci encore Olive et tous ses partenaires qui ont pu nous organiser cette méga jam. On s'est bien amusé. J'ai beaucoup aimé le concept aussi de rider avec des plus jeunes et partager une bonne session tous ensemble. Franchement, trop de la bombe. On s'est bien régalé et moi, ça me fait trop plaisir de voir ce genre de petites sessions. Je sais qu'il va y en avoir tout l'été. Il y a des gros programmes. On repart bientôt au Flat Out Days en Slovénie avec le pote Olive et ça va être du très très lourd. Donc franchement, restez connectés. On a d'autres vibes à vous partager dans l'été. On s'y prépare comme des oufs. Et là, je suis à Paris, peut-être qu'il flotte, mais dans très peu de temps, on va aller rider. Donc vas-y, à très vite les poulets et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à sauter sur vos bikes, à faire des sessions, à profiter. C'est l'été, c'est la fin du Covid. Let's go!